Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je suis un petit peu slopé, la barbe pas faite, parce que c'est un samedi, c'est le 22 mai ou le 23 mai, je ne sais pas si c'est... En tout cas, ça n'a pas d'importance. Ce qui arrive, c'est que c'est une journée où j'ai pas mal de travaux à faire sur la propriété pour la mettre en forme. Donc, on va commencer la journée par mettre en forme le climatiseur. Je ferai pas de vidéo là-dessus cette année parce que j'en ai fait une il y a 2 ans qui est assez pertinente et qui est toujours d'actualité, qui s'appelle Installation et mise en forme du climatiseur. Vous chercherez sur la chaîne. Et puis, il y a tout le jardinage que j'ai à faire parce que je vous montrerai des sections que j'ai fait. Des nouvelles affaires pour cette année. Je ferai pas non plus le jardinage en détail parce que je l'ai fait l'année dernière. Alors ça, on part la journée puis je vais vous présenter des petits clips de petits bouts de la journée. Et voilà, la bête est en partie démodée. Maintenant, on va faire la suite. On va le laver. Quand j'ai enlevé le couvert, à la place où était le ventilateur, ça avait l'air assez propre. Mais en dehors de l'espace du ventilateur, tous les radiateurs sont étrangement sales, comme d'habitude. Ça va demander un bon ménage. On continue! Et voilà, la bête est nettoyée, remontée, et il reste juste à finir l'installation. Ça sera pas bien long. Bon! Une autre opération terminée. On a une vue du climatiseur. Puis quand le climatiseur est frais installé, comme ça, qui est fraîchement lavé, il sent le... Ben, il sent le savon! On continue, on va aller jouer dehors maintenant. Là, c'est opération jardinage. Ça, mais c'est le fun parce que avec les années, les plates-bandes ont besoin de moins en moins d'entretien. Puis ça pousse tout seul. C'est ça qui est très, très intéressant des vivaces. Une fois qu'elles sont bien implantées, on n'a plus besoin de toucher à ça, on n'a même pas besoin d'arrosage. Bon, ben, là, ça va être l'étape du potager. Je ferai pas de vidéo là-dessus, mais c'est ça la prochaine étape pour aujourd'hui. Je vous montrerai le résultat final tout à l'heure. Bon, deuxième étape, le potager est tout planté. Fait qu'il y a, on a des tomates, des concombres, des carottes, des petites fèves et puis des courges butternut. Et puis système d'irrigation. Ça, j'ai pas le choix. Là, c'est le système de base. On va l'améliorer au cours des semaines. J'ai une autre idée pour ça. J'ai organisé le potager pour pouvoir avoir des. J'ai organisé le potager de façon à pouvoir travailler avec des tuyaux perforés. Donc, ça va prendre beaucoup moins d'eau que ce système-là. Prochaine étape. Et c'est beau voir ici. Les flux sont à leur maximum à ce temps-ci de l'année. Et des citrouilles. Je vais voir ce que ça va faire. C'est une extension du potager qui va s'agrandir avec le temps et le cycle. Alors, on continue la journée. Ça fait bizarre d'avoir monté mon iPhone qui filme dans la cuisine en place de mon gros DSLR. Mais c'était pour juste terminer la journée. Après vous avoir montré un peu ce qui s'est passé dans le jardin, ce qui s'est passé un peu sur les petites choses de la propriété, je voulais vous parler de... Je voulais dire merci. Merci, merci à un des abonnés qui m'a envoyé ça. Et sois-en sûr, je vais les utiliser beaucoup, beaucoup sur la chaîne et en dehors de la chaîne aussi parce que c'est des choses, je sais pas comment t'as fait pour savoir ça, mais c'est des choses qui justement me manquaient. Alors j'ai comme l'équivalent d'un wok ou d'une belle grosse sauteuse et quelques tôles à biscuits supplémentaires. Maintenant que j'ai appris à utiliser les tôles à biscuits en acier pour pas faire brûler mes biscuits comme je faisais au début, ben, je vais les utiliser. Alors, merci encore. Et puis, ben, si vous avez aimé la petite vidéo des choses qui se sont passées samedi sur la propriété, ben, donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, partagez. Et puis, ben, moi, je vais aller faire ma tarte du dimanche soir. Mais donc, comme c'est quelque chose que j'ai déjà fait, ben, je vous imposerai pas une vidéo là-dessus. Salut!